nous aurions pu vous raconter cette histoire-là, celle d'un athlète et du chemin qui le mène à la victoire. Mais nous avons préféré vous en raconter une autre, celle d'une famille unie. Michael a eu son accident en l'an 2000, donc il a été pendant plusieurs mois dans un centre de rééducation à Coubert. Et à ce moment-là, bon, il faisait de la rééducation, un peu de sport, de la piscine et tout. Et puis, dans la conversation comme ça, on en a discuté. Est-ce qu'un jour tu envisages éventuellement de faire du tennis en fauteuil? Et puis, on a appris que ce qui était organisé, les championnats du monde par équipe, handisport, donc de tennis. Et là, on a vu les plus grands champions. Et je me souviendrai toujours que la phrase de Michael, très vite, il a dit « un jour, je serai à leur place ». Il a tout de suite senti, en fait, qu'il pourrait un jour arriver à ce niveau-là. Et après, là, la progression était incroyable parce qu'en fait, bon, il s'est entraîné quelques mois. Et très vite, il a commencé à faire jeu égal avec les meilleurs joueurs français. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas? Il est devenu champion de France. Puis après, bon, ça s'est plus arrêté. We would like to go to Olympic Green Tennis, Tennis Center. She doesn't know. On n'a pas de bol. Bon, allez, donne... Moi, je vais appeler un taxi. Tu restes dans le taxi pour le garder? Ça y est, il y a un taxi, là! Il y a un taxi! Allô? Eh ben, on arrive en taxi, on a pris un deuxième taxi parce que la fille savait rien du tout, elle savait pas. Ah bon? Il y a beaucoup de monde, là. Excuse me? My son is playing now. Can we pass? Yes, okay, thank you. We are late because taxi... We are late. Can we go now? We can go. We are... Four, okay? Dès que Michael est dans ces contextes de match importants, etc., on sent que tout le monde est à fleur de peau. Tout le monde est... Et ce n'est pas uniquement parce que Michael est un champion de tennis et que c'est important. C'est évident qu'à ce moment-là, ce qui fait que tout le monde est vraiment au bord des larmes, voire en larmes, qu'il perd ou qu'il gagne, c'est parce qu'il y a une charge émotionnelle énorme qui est liée au fait qu'il est handicapé, mais il réussit, mais il accomplit des exploits. C'est Ben. Allô? C'est Ben. Il est où le gros? Il est où le gros? C'est Ben. Alors, il a pas la golden, le gros, il arrache tout! Et il ressemble à Barracuda!
je te dis tout de suite, c'est moi le boss de la famille. Les choses, non, mais tu verras, tu feras les interviews, ils te diront tous ça, de toute façon. Non, je suis le boss de l'ombre. Je sais pas s'ils avoueront, mais moi, je le sais, et puis... Non, ils le savent dans leur fort intérieur. La force de ces trois frères, n'est-ce pas aussi cette promesse? D'être tous là pour un, toujours là, les uns pour les autres. C'est très chiant de déménager. Moi, je pense qu'à peu près tout le monde part chez ses parents entre 20 et 30 ans, donc il lui arrive ce qui arrive à tout le monde. Et je quitte ma maman. Quand il habite à la maison, quand il est... on sait qu'il est là, on entend les portes claquer. Il reste des cartons ou pas? Il y a beaucoup d'animation. Donc c'est vrai que... Le fait que lui parte, c'est... ça fait quelque chose. Bon, bah vivre chez ses parents quand on a cet âge-là, c'est contraignant pour pas mal de choses. Tout simplement pour être libre et se construire individuellement, de façon autonome. Il a ressenti ce que tous les jeunes adultes ressentent à un moment, c'est le besoin de voler ses propres ailes, quoi. Ça fait longtemps qu'il en avait envie, quand même. J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien, il découvre de nouveaux plaisirs. La lecture, la solitude, le calme, il a l'air plutôt bien. Pourquoi t'as fait ça? Mais pourquoi j'ai ça? Tu sais ça, pourquoi j'ai ça? Tu sais, vous avez jamais vu? Non. Mais tu vas comprendre pourquoi j'ai ce magazine. Vas-y, la bombe du mois. Oui, la bombe du mois. Michel Jeanette se permet d'aller de bronze au dernier jeu paralympique d'Athènes, âgé 23 ans, avec ses bras incroyables, sa barbe sexy et ses yeux de braise, il ne devrait laisser personne insensible. Son départ était retardé du fait de son handicap et puis de son mode de vie, puisque 6 mois par an, il n'est pas en France. Regarde là. Ben, j'en ai rien à branler là. À cause de lui. DVD, donne. Ben, m'énerve pas, Ben. Je vais te faire très mal. Je pense que Ben, il fait sa crise d'adolescence un petit peu à retardement parce qu'il n'a pas vraiment pu la faire parce qu'il n'avait pas forcément suffisamment d'interlocuteurs attentifs à ce qu'il faisait, à ce qu'il était au moment où il était adolescent pour la faire. Faut que tu m'aides, je peux pas me lever, je peux pas atteindre des trucs, donc tu choisis, on choisit des fringants. Je prends pas tout, je suis là encore quelques jours, je déménage pas ce soir là. Quand il avait 12 ans, j'étais dans une situation très difficile personnellement, psychologiquement, et donc toute la tension parentale, familiale s'est concentrée sur moi. Et dans la foulée, Mickaël a son accident. Donc maintenant que moi j'en ai fini avec mes errances intérieures et que Mickaël est passé de la période post-accident, bah il a enfin la voix libre pour faire parler de lui un petit peu. J'ai besoin de toi. T'es en partie responsable du fait qu'on mette autant de temps à partir. Vu que j'ai vécu pendant très longtemps avec lui, il m'en demandait beaucoup plus à moi qu'aux autres. Donc c'est vrai que je lui pose plus de limites que certaines personnes lui en posent quand il lui demande des services. Mais ça, c'est plus dans notre relation de frère à frère. C'est vraiment... C'est peu lié à son handicap. Ben. Ah ouais, quand même. C'est une charrette. T'as quoi, toi? T'as ta Fiat 500? Ouais. Ah, dur. Ah, mais t'es au fond, la bande de jbets. Et moi, je crois qu'il faut pas trop l'emmerder avec ça, parce que je crois qu'il joue bien son rôle, globalement. Il est de ceux, avec ma mère, probablement, qui ont le plus aidé Mickaël. Mais même quand il l'aide, dès qu'il peut, sa façon à lui de se sentir libre, c'est de faire chier Mickaël. Hey Ben, Ben, casse-toi, en fait. Non, tu fais rien, en fait. Moi, je suis venu faire un truc, j'ai mis 3 heures à te demander des trucs, là, tu branles, franchement, pas. Non, franchement, je suis sérieux, en plus, là, ça me saoule, tu fumes dans la maison. Vas-y, bouge. Et puis Mickaël, lui arrive aussi d'être un peu caporal, quoi. Et des fois, faut que ça tourne, et il peut lui arriver d'être un peu autoritaire. Parfois aussi un peu moralisateur. Et des fois, c'est casse-couille, quoi, en fauteuil ou pas. Ben, il fait en sorte de ne pas se faire bouffer aussi, lui par le handicap de son frère. Quoi. J'ai ramené tous mes potes pour qu'ils t'aident, et ce jour-là, voilà, t'as des petits problèmes, tu veux que ce soit moi qui en fasse le plus. C'est normal, t'es mon petit frère. Non, pas normal. Pourquoi pas normal? Ton grand frère, par exemple, est-ce qu'il t'a aidé à ton déménagement? Non, je voulais pas le solliciter, je voulais m'émanciper de mon grand frère, je voulais que ce soit toi qui m'aide. Oh là, connerie. Mais tu devrais plutôt t'émanciper de moi un petit peu. Mon seul objectif, et là-dessus je pense que je suis en phase avec Ben et avec la plupart des gens qui entourent Mickaël, c'est de l'aider à surmonter les obstacles qui sont liés au fait qu'il est en fauteuil roulant. Mais on va pas au-delà.
Et on va pas être plus généreux avec lui dans d'autres domaines que ceux qui sont liés à son autonomie physique, parce qu'il est en fauteuil roulant. Il n'y a aucune, pitié particulière qui dirait ah, c'est déjà dur pour lui la vie, donc on pourrait aussi l'aider pour ça, c'est déjà assez dur comme ça. Non, parce qu'en plus, c'est pas notre point de vue, en tout cas moi c'est pas mon point de vue. Moi je pense pas que la vie est dure pour Mickaël. Je pense que Mickaël, il est très heureux. Et il est même, je pense, exceptionnellement heureux par rapport au commun des mortels. Cette énergie qu'a Mickaël, il la mobilise aussi pour d'autres causes. Donc l'objet de cette conférence, comme on en parlait, c'était de médiatiser, et c'est surtout aussi de parler un petit peu de ce qui se fait ailleurs, notamment dans les autres tournois du Grand Chelem. Roland Garros, c'est le dernier à avoir rejoint le cercle très fermé des tournois du Grand Chelem et organisé un tournoi en e-sport. C'est le cas en Australie depuis, je crois, 7 ou 8 ans. Et puis c'est le cas à Wimbledon, donc même sur herbe, et à l'US Open. Nous, notre combat aujourd'hui, c'est de remplir les stades, c'est que les gens viennent et qu'ils ne fassent pas des allers-retours parce qu'ils se disent il y a Nadal qui joue à côté, je peux comprendre que Nadal soit plus excitant d'aller voir que moi, mais pour le coup, pour le coup, il y a moyen d'organiser ça différemment. Donc c'est une sensibilisation croissante pour que les gens se mobilisent et pour qu'au final, voilà, on fasse partie du paysage et que le sport handicapé, notamment le tennis handisport, soit sur les ondes et puis sur les chaînes télé, et puis que les gens nous voient et que ce sport puisse se développer. J'allais dire Roland Garros, ils auraient tout à fait la liberté de le médiatiser, de demander d'avoir des réunions, de nous intégrer tout simplement dans l'organisation du tournoi, et pas attendre que nous on les sollicite fin avril, ou de rencontrer le directeur technique fédéral en e-sport de tennis 2 mois avant ou 1 mois et demi avant pour lui dire si ça va. Donc voilà, donc nous ce qu'on espère c'est qu'en gros qu'on soit un peu la vitrine du handicap et qu'on aide. C'est-à-dire si je suis là, le Roland Garros je le fais même pas, justement j'ai repris l'entraînement il y a 10 jours, je pourrais pas faire le tournoi, je suis pas là pour moi, j'ai pas besoin de ça, c'est vraiment un combat plus global, c'est-à-dire le handisport, mais plus généralement la place des personnes handicapées. Mickaël, au-delà de sa qualité de joueur de tennis, quelque part, se donne beaucoup et fait beaucoup de choses pour développer justement le tennis handisport. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu venir être à ses côtés aujourd'hui, parce que, je veux dire, il est... D'abord, c'est un des meilleurs joueurs du monde, et puis il se donne beaucoup de mal. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les combats méritent d'être soutenus, surtout ceux-là, parce qu'ils sont chouettes, et qu'il y a beaucoup de gens comme lui pour qui moi j'ai beaucoup de respect, d'admiration, parce que les voir évoluer justement comme ça sur un terrain de tennis, ça force l'admiration, voilà. Vous baladez en France, notamment à Paris, qui entre nous est une des capitales occidentales, entre guillemets, les moins accessibles au monde. Je crois qu'il n'y a que 3% de son parc public qui est accessible. Les gens, ils vous regardent encore. Moi, ça fait 8 ans que je suis en fauteuil. Et pourtant, voilà, j'ai une vie qui est différente de ce qu'on peut imaginer du handicap. Ils ont encore des regards de compassion, des fois, des regards de pitié. Et vraiment, des personnes handicapées, par exemple, à Paris, il y en a beaucoup. Il y en a des milliers. Mais vous en voyez combien dans une journée ? Proportionnellement, vous en voyez très très peu. Il y en a beaucoup plus parce qu'ils sont dans des foyers, parce qu'ils sont dans des centres d'éducation, parce qu'ils n'osent pas sortir de chez eux ou parce qu'ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Les transports en commun, c'est-à-dire le tramway, c'est récent, les bus, c'est récent, le métro, il n'est pas accessible. Donc il y a ce premier problème. Et donc, par ricochet, en France, le handicap, je pense que ça fait peur. Donc les médias, ils sont très bons pour dans des émissions un peu... que je qualifierais de voyeuriste, je les citerai pas, mais mettre en avant justement le côté glauque, le côté pathétique du handicap, la difficulté de vivre avec un handicap, mais ils n'auront pas le courage, alors que pourtant je pense qu'ils feront au moins autant de dimat, de mettre en avant des histoires de gens qui ont eu un accident. Moi aujourd'hui, je n'échange pas ma vie contre la vie que j'avais avant. Je suis joueur de tennis professionnel, je vis de ma passion. 6 mois par an, je suis en tournoi à l'étranger. C'est une vie exceptionnelle, quoi, extraordinaire. C'est une vie que j'aurais pas eu avant, quoi. Je devais partir dans 2 semaines, là tu vois, il fait 5 degrés dehors, il pleut, je devais partir à Miami, repartir, retâter un peu l'ambiance, quoi, palper un peu tout ça. Et donc là je suis comme un con, là, je bouillonne, j'attends, et c'est pas la tendinite où on te dit voilà, t'en as pour 2-3 semaines, ou la fracture, c'est tant de trucs, là moi c'est une cicatrice, et le problème c'est qu'elle est derrière la fesse et je suis assis dessus, quoi.
ses médecins lui disent, bon, écoute, tu peux jouer avec cette blessure, tu risques rien, et même si elle s'aggrave un peu, de toute façon, il n'y a pas de risque majeur, vas-y, je pense que s'il est convaincu de ça, il ira. Même si psychologiquement, c'est dur de s'arracher, de se défoncer avec une blessure que tu sais être en train d'aggraver, le fait de se dire c'est pas grave, ça suffit pas forcément à être complètement détendu, quoi. T'es quand même en train de te blesser physiquement. T'es blessé, tu te blesses encore plus et c'est pas grave. Bon, c'est ok, il faut être en confiance, faut avoir confiance en ses médecins et puis faut être solide quand même pour accepter de se blesser. De façon comme ça, très rationnelle, quoi. Très. Non, c'est pas facile, mais je pense qu'il en est capable. Mais c'est pas évident, c'est clair. Côté de sa blessure nous fait nous interroger sur son avenir et nous inquiéter pour son avenir. Et quelque part, il apporte immédiatement une réponse dans la foulée en nous disant, il nous dit aussi en ce moment, vous inquiétez pas. C'est pas parce que je fais pas de tennis que je fais rien et que je peux plus rien faire et que je suis capable de rien d'autre. Je peux étudier et donc potentiellement je peux faire un job plus normal, plus classique. C'est bon, quoi. Ça va, y a pas de souci, ne vous inquiétez pas pour moi, quoi. Un programme de l'après-midi, là j'ai cours à Sciences Po. Attends, faut que j'appelle mon tuteur. Bonjour, professeur. Je suis là, je suis à 300 mètres de là où je suis censé être. Ah, on commence par l'histoire? Ah, t'as raison, ouais. T'as raison. Ah, à ton cours, je serai là. Ce qui est frappant chez Michael, c'est qu'il a cette capacité à mobiliser sa propre expérience, son propre vécu pour aller vers les documents historiques. Donc le sens de la combativité, qu'est-ce que c'est qu'être intégré dans une équipe. Ça permet de poser par exemple les problèmes de l'adhésion par rapport à un régime autoritaire ou des choses comme cela. Donc ça, moi je suis très surpris de cette capacité à mobiliser l'expérience propre. Et ça, c'est très agréable. But I've been last year in or 2 years ago in Mexico, in Tijuana. Mm-hmm. When you come from San Diego to go there, it takes maybe 15-20 seconds to cross the border, but to come back it takes ages. Michael a un niveau académique qui est déjà important. Il est non seulement mon étudiant dans ce cours, mais j'ai également la chance d'être son tuteur dans le cadre de cette formation. Je pense que cette formation, elle a un but qui est préparer la réinsertion de ces sportifs et faire qu'ils disposent d'outils, qu'ils disposent de ressources pour choisir. Je vois clairement une putain d'opportunité de poursuivre ce que j'ai arrêté un peu prématurément, c'est-à-dire les études, l'apprentissage, voilà, le savoir, être un peu plus cultivé, tu vois, je me suis arrêté tôt, hein. Doug de l'EA, tu es quand même limité, donc je donne souvent mon avis sur tout et n'importe quoi, je suis quelqu'un qui aime bien me parler, bien tchatcher, donc dans ce domaine-là, je me débrouille bien maintenant. C'est vrai que des fois, tu te trouves un peu limité parce que tu manques de connaissances en profondeur. Bonjour. On y va. Bonjour. Sarah. Très bien, je vous suis. On y va. Là, je suis à Amnesty International, dont je suis un des ambassadeurs, on peut dire. Organise les Jeux Olympiques des droits de l'homme, en fait, ces manifestations, pour dénoncer un peu les violations des droits de l'homme qu'il y a en Chine. Voilà. Donc je viens un peu en soutien, voir ce qu'il y a. Comment tu vas? Ça va bien? Mmh. Hein? Tu vas bien? Sympa. Ah, vous avez du monde, c'est ça très sympa. Ça fait plaisir, franchement, ça me fait plaisir. Ouais, trop. Devine qui est là? Il y a des gars, franchement, tu vois,
Tu peux pas te lever parce que je suis un peu fatigué, moi. Bah, assis-toi si tu veux. Non, mais pose-moi ton siège là-haut. Pourquoi ça vient? Parce que je suis très fainéant, tu sais bien, depuis quelques années. Est-ce que je peux présenter notre présidente? Oui. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Merci d'être venu, c'est bah, super. C'est et puis bravo, et on sait qu'en plus, il y a les entraînements et tout ça, c'est génial. Faire un peu de tout. Voilà, merci beaucoup. Ça peut servir à quelque chose, un sportif, pour la politique et la diplomatie internationale? Je pense que ça sert pas mal, parce que les sportifs ont la chance d'avoir accès aux médias, beaucoup plus que plein de gens. Donc s'ils ont des bonnes idées à défendre, ben, ils peuvent justement, rien que moi, athlète en e-sport, réunir tous ces gens-là pour passer un message. Donc ouais, faut pas hésiter à pas les utiliser, mais à faire appel à eux quand il y a des mobilisations aussi importantes que les Jeux de Pékin. Vous avez envie d'aller à ces Jeux? J'ai envie de participer aux Jeux parce que pour un athlète, c'est super important et c'est les objectifs de carrière. Par contre, aller aux Jeux de Pékin, à Pékin, cette année, me pose problème. C'est vrai que c'est pas excitant, quoi. Halte à la censure. Halte à la censure. On parle des Jeux Olympiques, mais même les associations, même Amnesty. Ils parlent des Jeux Olympiques, mais ils parlent pas du tout des Jeux Paralympiques. Oui, je sais. Je leur reproche pas parce que. Ouais. Quoi, si, d'ailleurs, si. Quoi, j'ai... Oui, mais... Même au même titre que quand je suis allé à Amnesty, parce que j'habite juste en face d'Amnesty, quand je suis allé à l'entrée principale, il y a 4 marches. Ok, il y a un autre accès. Je sais. Sabrine, je suis arrivé et je lui ai dit, attends, Sabrine, un truc, moi je viens, mais je parle des droits de l'homme, on parle d'égalité, on parle de. Voilà, on parle de. Une certaine éthique aussi, j'ai fait. Moi, pour aller chez vous, je suis obligé de passer par l'entrée des artistes. Sabrine, je vais y aller, je te bise, à bientôt. Et merci beaucoup, hein, franchement, ça m'a touché quand on arrive. Non, moi, ça m'a fait plaisir. Et puis lâche mon number à Sarah. Non, c'est ça, parce que franchement, elle a craqué. Pas dire, mais... Ok. Bon, tu me rappelles? Ouais, on se tient au courant. Bisous pas. Salut, à bientôt. À bientôt. Ciao. Time. On a des convictions, on va dire, sociales, humanistes, assez fortes, assez développées, un tempérament assez militant, un peu rebelle, etc. Mais malgré tout, et ça, il ne faut pas se le cacher, se voiler la face, et je crois qu'il n'y a pas grand monde dans la famille qui se le cache, mais la première des causes qui nous importe, c'est la nôtre. J'étais content de reprendre, quoi. Plaisir de reprendre. Ça faisait 4 mois que j'avais pas joué, vraiment, quoi. Et donc ouais, non, c'était bon. Mal en général, mais là c'est j'ai plus l'habitude de jouer aussi. Ouais, c'est de jouer aussi longtemps. Et en fait, je vois que tu te penches, tu relèves, j'ai pas fait ça depuis plus longtemps en fait. Et ça fait mal. Et moi, je suis assez content qu'il ait tenu comme ça 2 heures. Bah, elle est ouverte, la cicatrice. Elle s'est ouverte quand j'ai repris. Quand le chirurgien me s'en doutait que ça allait péter. Et ça a repété. Bah du coup, il dit que si je la protège bien et que ça s'aggrave pas plus que ce que c'est déjà ouvert pour l'instant, je peux continuer. Donc non, a priori, on est bon. Par contre, il faudra que j'arrête après les Jeux de toute façon à nouveau pour que ça se cicatrise. Terriblement, quoi. Enfin,
Quand je le sens crispé, je suis crispé. Enfin, je suis dans sa peau. Tout va bien. Tout va bien maintenant. Vous avez trouvé comment votre petit-fils au contraire ? Ben, j'ai trouvé bien. J'ai trouvé très bien. Ça y est, il est en forme. Bon, on va aller boire un coup. Vous pouvez venir avec nous. Hein. On va se mettre bien. On va se mettre des mousses. Il y a 4 ans au soleil, il va toujours partir. En bas, il est solide. Cette histoire, c'est aussi l'histoire de ceux qui ne renoncent pas, de tous ceux qui choisissent de vivre, tout simplement. Attends. Voilà. Non, bah, ça, ton ski. Mais faut que je saute, pas le poser. Mais non. Mais appuie-toi dessus, tiens, ton ski. Mais... Oh. Mes deux sports préférés, c'était avant mon accident, c'était le tennis. Quoi, le tennis? Parce que c'est le truc que j'ai commencé à l'âge de 5 ans et puis j'ai brillé rapidement, j'ai des bons résultats quand j'étais petit. Mais j'ai toujours adoré le ski. Film, troubadour. Côte, 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 t'as souri là, la côte, côte, côte. Le ski, c'était mon sport vraiment, c'était la grande fête, on adorait ça, le rituel. Puis la crêpe en revenant, puis être le dernier à faire la piste, puis faire des hors-pistes avec un Cyril qui nous emmenait à Tignes, faire des trucs comme ça, puis voilà, toute cette vie-là. Putain, je tiens tout seul. À partir du moment où on est arrivé à la plagne, à la montagne, on pensait d'aller faire un petit peu de ski ensemble. Et ben là, tu skis hein, debout. Et puis pour Mickaël, on pensait qu'il fasse du ski en fauteuil comme il en avait déjà fait. Puis c'est un moment où on était tous les deux avec Mickaël, où moi j'étais là pour profiter de l'événement, pour m'amuser, mais aussi pour l'aider. Parce que clairement, Mickaël à la montagne, pour le coup, il n'est pas du tout autonome. Quoi. Donc moi, j'étais. Dans ces moments où je me sens complètement à son service, en fait. Et de le voir debout sur des skis, oui, ça m'a quand même ému. Bah écoute,
La dernière fois que j'ai skié debout, c'était le 7 février 2000. J'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, on est le quoi 18 décembre 2007. Le ski, de toute façon, on n'a pas envie de le laisser de côté, on n'a pas envie d'abandonner, on n'a pas envie de lâcher l'affaire avec le ski, on a envie de skier. Quoi. Refais-moi ça devant moi, là. Refais-moi ça devant moi, là, s'il te plaît. Merci. Que je vais pas savoir ce que ça marche. On a un peu de vitesse, j'en ai eu des larmes aux yeux parce que ça picote. Ah, c'est fin. T'es arrivé, frère, là. La question de la culpabilité par rapport à l'accident de Mickaël, pour moi, c'est une question clé, quoi, depuis son accident. Je suis loin de l'avoir protégé, ce jour-là. C'était un mardi. La veille, on avait fait un peu la fête, quoi. Et en fait, il faisait pas beau ce jour-là. On skie le matin avec toute la famille, on se tire la bourre et tout. Et puis à un moment, on rentre le midi et puis il fait pas très très beau. Donc les parents nous font, on reste ici, aller skier. Et puis rendez-vous à 17h, on va au cinéma. La veille, on avait fêté l'anniversaire de mon grand cousin. Et le matin où on se lève, il y avait beaucoup de brouillard, très peu de visibilité. Donc on s'est dit qu'on pouvait pas skier et qu'on allait aller dans un snowpark pour faire des bosses. En partant, j'en ai pas le souvenir exact, mais je suis à peu près sûr que ma mère nous a dit de faire gaffe. Donc là, on se retrouve dans un parc de surf qui est normalement interdit aux skieurs. Mais c'est un endroit où les bosses sont déjà toutes faites, t'as pas les chercher en bord des pistes et tout. Donc là, on se dit, on va se tirer un peu la bourre dessus. Et puis les deux sauteurs de la bande, les deux plus casse-cou, c'est Stan et moi. On se tirait la bourre souvent sur les sauts depuis des années. C'était pas mal un truc sur lequel j'étais bon. Et lui était en permanence en train d'essayer de me rattraper un petit peu là-dessus. Et c'était le seul qui arrivait un petit peu à suivre la distance. Et là, il se trouve que Mickaël, cette journée-là, il était particulièrement relâché quand il faisait ses sauts. Et il faisait des beaux sauts, quoi. Et puis on le fait une fois, deux fois, trois fois. Et puis là, il était temps d'y aller. Donc on voit qu'on était bien. Et puis là, on va pour y aller. Et puis dernier saut. Et puis John qui nous fait, bon, bah, allez, vas-y, John et Mickey Stan, va dernier saut. On vous regarde, on voit celui qui fait le plus beau saut. Donc il y a eu un défi entre eux que j'ai stimulé. Et puis moi, je m'élance. Puis là, bon, bah, je suis dans le délire de faire le con, comme d'hab, de faire un saut, mais de faire un saut meilleur que mon pote, quoi, mes choses qu'on a toujours faites. Donc là, je m'élance, je pousse sur les bâtons, je prends la vitesse, je fais un premier saut. Et déjà, sur le premier saut, je sens que j'étais très limite. Je le sens, j'étais un peu en perdition. Bon, j'ai réussi à me rétablir, mais j'étais déjà monté haut. Et puis je me dis, putain, okay, fais gaffe quand même. Mais je me le dis, mais pas suffisamment, manifestement, puisqu'entre les deux sauts, moi, je suis resté en chousse tout droit. Donc j'ai pas ralenti, sauf que j'avais la vitesse de la descente, puis la vitesse avec le saut où je suis retombé dans la descente. Et donc là j'arrive, et puis là j'arrive, et en fait la sensation, moi le dernier souvenir que j'ai, puisqu'après j'ai eu 4 jours de blackout, c'est la sensation d'un énorme mur face à moi, parce que ça monte à la verticale, j'ai la sensation d'un mur, et comme un train qui te rentre dans le ventre, quoi, il va bloquer comme ça. Et puis là je monte à la verticale, et puis là, moment de l'impulsion, comme si j'avais perdu connaissance à ce moment-là. Parce que je n'ai pas eu de trauma crânien, il n'y a pas vraiment de raison que je ne me souvienne pas du saut. Donc en fait, j'ai dû m'évanouir de peur. Et en fait, moi, dès que j'ai vu que la façon dont il a décollé, j'ai flippé. Il a sauté et puis on a tout de suite vu qu'à la dernière bosse, il a perdu ses skis, il a sauté à 7-8 mètres de haut. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il allait se tuer, quoi. Et là, quand j'ai vu la chute, quoi, il est tombé, là, j'ai déchaussé mes skis, je suis parti en courant parce que c'était grave pour moi, c'était clair que c'était grave. Il était complètement shooté à la morphine à ce moment-là, donc je pense qu'à ce moment-là, il était un peu délirant. Et il a commencé à imiter la voix du parrain en disant « Vous inquiétez pas, ça va aller. C'est qu'une petite passe comme ça, mais je vais trouver une solution à tout. » Il a commencé à enchaîner comme ça pendant plusieurs minutes en impro. Il
racontait des conneries comme ça, il se prenait pour Don Corleone. Et nous, on était... On était morts de rire, quoi. Le fait de pouvoir rire, en tout cas pas avoir de tabou, et voire même de pousser l'humour sur l'aspect handicap avec Mickaël, c'est un peu ce qui nous a fait voir la perspective d'un bout de tunnel au moment le plus dur. C'est aussi peut-être là qu'on a commencé à se dire qu'il allait peut-être quand même y avoir moyen de continuer à se marrer dans la vie. L'esprit est un iceberg dont la plus grosse part est immergée. La volonté est une puissance, le corps ne fait que l'héberger. Nous sommes à la fois le mouton, le chien et le berger. Ce qui fait que les hommes sont grands dans leurs actes, dans leur apparence. Que l'on distingue le courage lorsque les problèmes apparaissent. Aller de l'avant, face au vent, tomber, puis se relever. Sans se plaindre une fois sauvé, pour voir ses espoirs assouvis. Car la vie est un combat que l'on mène contre soi-même. Vers la vue et raconte-moi ce qui pour toi serait le summum. On apprécie ce qu'on possède seulement après l'avoir perdu. Mais les plus grandes richesses ne sont pas celles qu'on cherche, car les biens les plus précieux sont apportés depuis le début. Mais les émotions sont fortes parfois, le cœur est lourd et perturbe. Dans l'inconnu, l'espoir perdure et c'est dit. Même si c'est dur, on n'est pas prêt de céder. Faut croire en soi en étant humble et ce ne sera pas facile. Je pense que c'est une des grandes forces et une des grandes faiblesses de notre famille. C'est d'être quasiment sans cesse dans la dérision. Et du coup... Peut-être, alors à la fois ça nous permet probablement de surmonter des choses qui sinon pour nous seraient insurmontables. Et en même temps, je pense que ça étouffe peut-être des moments d'expression de souffrance plus classiques qui peuvent avoir leur intérêt aussi, quoi. Avant on était, c'était plutôt trash en fait. Donc, et ça a continué même quand il a eu son accident. Quoi. On était devant son lit et on lui disait « Bon, bah nous, on va chercher des coca, tu bouges pas ?» Évidemment, tu bouges pas. Donc, et on se cassait pour prendre nos coca en bas. Enfin, et lui, il se marrait. Enfin, ceci dit, comme personne restait dans la chambre, on pouvait pas savoir ce qui se passait derrière. Quoi. On est dans l'ultra-transparence. Donc du coup, si on prend pas les choses avec humour, ça crée des conflits, ça crée des clashs. Et ça crée surtout de la tristesse, parce que quand on est ultra transparent, ça veut dire qu'on se dit ce qui va bien comme ce qui va mal. Et donc du coup, on est obligé de faire passer ça avec de l'humour. Et c'est vrai que Mick, ça a toujours été le plus blagueur de la famille. Et ça a fait que s'empirer avec son accident. Moi, je souhaiterais que tu mettes ta ceinture, quitte à avoir des images de moins bonne qualité. C'est fou, ces gens qui disent oui alors que... Non mais Anna, je suis très sérieuse par contre, très sérieux. Il nous faut risquer de... Ouais, j'arrive. Non mais alors je t'explique pourquoi. Très rapidement, pour ta sécurité et aussi pour la nôtre. C'est que là, si je pile, t'es morte, mais au passage, tu risquerais de nous blesser aussi. Je t'ai pas arrivé comme ça la première fois. Je m'en souviens même pas. Quand je suis arrivé ici, je me souviens, j'étais arrivé avec maman en ambulance là-bas. Et là, en fait, le premier mois, les premières semaines, ils te mettent du côté aigu. C'est des chambres où tu es au début, a priori, seul. Et il faut un certain temps pour que tu aies besoin, si tu as besoin de chialer, si tu as besoin de. Pour voir ta famille tranquille sans qu'il y ait personne, c'est vraiment. Ils appellent ça le côté aigu. C'est pas pour rien, c'est que c'est la période où tu es a priori le plus mal, c'est quand tu arrives parce que c'est assez violent, tu es dans ta chambre. Moi, je suis resté un mois allongé. J'avais un corset parce que je m'étais vraiment bien niqué le dos, donc j'avais pas le droit de faire de mouvement, donc pendant un mois, t'es vraiment bloqué là. Aïe là, je le connais. Ça va bien? Viens toi. Ouais, ça va bien? Salut. Ça va bien? Ça va bien? Ça va. Et puis après, par contre, le premier jour, on m'a amené mon fauteuil, c'était ma kiné qui me l'a amené avec mon kiné, quoi, la stagiaire kiné et mon kiné.
te mettre dans le fauteuil, et déjà là, ça change. Déjà là, c'est différent. Moi, j'avais. Pourtant, au bout d'une demi-heure, j'avais la tête qui tournait, parce que ça faisait un mois et demi que j'avais pas été assis. J'étais allongé. Et puis là, là tu commences à te projeter, tu commences un peu à sortir, tu manges plus dans ta chambre, tu vas au self, t'es changé de chambre. Ça a été long parce que je voulais pas partir de là-bas. À la petite, je vais... Ah oui, parce que t'étais tout seul là-bas. C'est tout seul, et on m'a dit, voilà, j'ai un nouveau pote, et je me suis dit, non, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un dans ma chambre. Et puis ils m'ont forcé la main et puis ils ont eu raison. Quoi. Ouais. À sa tête, quoi. Ouais. Sa tête et clairement, voilà, moi je leur ai rendu service dès le premier jour, quoi. C'est moi qui faisais des trucs pour eux, donc finalement, il y a un moment où tu oublies toi-même ton handicap parce que tu vois qu'il y a tellement pire que toi. Ouais, voilà. Même titre que tu vois quelqu'un qui galère dans la rue, tu vas le proposer de l'aider. Bah là, c'était la même chose, quoi. Chacun à son niveau. Le premier mois, ils sont venus tous les jours. Quand j'étais du côté aigu, et puis au bout d'un mois, mois et demi, j'en avais marre. Quoi, deux mois, disons deux, trois mois, parce que bah, en fait, tu te crées ta vie ici, quoi. T'as des rendez-vous, t'as ta vie, t'es posé, t'es à la cool, quoi. Et puis, puis t'as tes activités, et puis là, ils arrivaient, et au moment où ils arrivaient, il fallait que tout s'arrête d'un coup, quoi. Et ça, c'est chiant, quoi. C'est une des rares époques de sa vie où on sentait qu'il avait pas envie de partager, quoi. Du matin au soir, t'as 50 000 trucs à faire. 8h30, tu descends, à 9h, t'as kiné, à 9 à 10, de 10 à 11, t'as muscu, de 11 à 12, t'as piscine, puis après, tu as mangé, puis t'as ping-pong 13 à 14, puis tu retournes en muscu, tu retournes en piscine, puis tu retournes en kiné. Moi, j'avais doublé mes séances les 2-3 derniers mois. Et puis, par contre, à 17h, faut trouver des activités, quoi. On se posait là, mais nous, on venait avec nos fauteuils. Et tous les amputés qui avaient des prothèses ou alors les grands brûlés, eux, ils marchent. Donc, ils venaient avec des chaises. Et on avait foutu une table ici avec des chaises, et puis on était là, on était une quinzaine, quoi. T'avais des gens de l'extérieur qui ramenaient des bières, des potes à nous, ils nous ramenaient des bières, ou commandaient des pizzas, on avait marre de manger des steaks à la cantine. On se posait là, et puis là, tout le monde sortait son shit, et ça fumait, et puis on faisait tourner les joints, et puis moi, des fois, je rentrais avec des yeux éclatés, et c'était mordeur. Ah, tu fumais 15 joints par jour? Ah, il y a une époque où je fumais entre 10 et 15 joints par jour. J'allais à ma séance de muscu, je sortais, je me faisais un joint. J'allais à ma séance de piscine, je sortais, je me faisais un joint. Et puis toute la journée, entre chaque activité, et puis le soir, on se posait, et des fois, t'enchaînes, quoi. Moi, franchement, j'ai des super souvenirs d'ici, quoi. Parce que, c'était plein d'activités, beaucoup de sport, des sorties, plein d'histoires de filles. Ouais, évidemment, voilà, on fumait, mais c'était pas, voilà, c'était pas, ça faisait pas de moi un grand camé, et puis ça m'empêchait pas de faire ce que j'avais à faire, et puis si c'était un passage obligé, de toute façon dans le centre, comme dans tous les centres d'éducation, c'est comme dans les services de pneumo où les gens ils sont atteints d'un cancer du poumon, et il y en a qui sont encore clope au bec, ils ferment les yeux, parce que s'il y a un moment où t'es obligé de trouver des substituts, quoi. Mais là moi pour le coup ça s'est fait comme un loisir. À ce moment-là, en fait, j'avais besoin de brûler la vie, de tout brûler, quoi. Donc je faisais tout de manière excessive. Moi, je suis pas très chaud pour vous filmer à l'intérieur de la salle de kiné. Non. Parce que moi, je me souviens, tu vois, j'en vois un là qui est en train de faire le même exercice que je faisais à l'époque. C'est vraiment des trucs où t'as pas envie d'être emmerdé, quoi. Il a une capacité au bonheur qui est exceptionnelle, qui est hors du commun. Je pense pas du tout que j'aurais réagi comme ça, moi. Moi, je pense que à partir de la seconde où j'aurais été au courant que j'étais paraplégique, que je retrouverais pas la marche, etc., je n'aurais fait que penser à l'avenir. Ça aurait été une hantise, c'était terrible, ça m'aurait plongé dans un, je pense, profond désespoir, quoi. D'une jeune fille tout à l'heure, là, dans la salle de kiné, et puis des jeunes mecs, là, ça... Ouais, c'est sûr. Bonjour. Je suis pas optimiste pour eux, quoi. Je me dis pas, ouais, ça va passer comme Mickaël, pas du tout, en fait. Je me dis que j'ai quand même l'impression qu'ils vont en chier, quoi. Tu vois, elle, clairement, je peux lui dire que... T'inquiète, tu vas pouvoir faire ça... Ça fait partie des tafs, moi, que je vais faire plus tard. Il n'y a pas ici, ça, tu vois. Moi, jamais j'ai un ancien qui est venu et qui est... Que tu proposes. Mais j'ai proposé, mais sauf que ça, je veux faire ça comme reconversion, un taf, quoi.
Coach, il y a des mecs qui viennent de se faire accidenter. Je viens, pas le premier mois, tu vois, je les laisse récupérer, mais quand ils sont en réduc, et là, je viens. Et je les prépare à la sortie, je fais des sorties avec un ou deux par-ci par-là, je fais des trucs, même si c'est ponctuel, même si c'est avec. Parce que c'est du taf. Tu te sens étranger quand tu arrives là-bas, tu te sens limite entré du doigt. Tu ressens probablement ce que ressentent le jour où ils sortent. Quoi. Mais là-bas, tu te sens toujours un peu voyeur. Je pense pas que les proches valident et leur place à Coubert. Le traumatisé doit choisir de vivre. Et il le fait seul, ce choix. Tiens, il n'y avait pas la télé à l'époque. J'ai beaucoup plus de succès depuis que je suis en fauteuil qu'avant. Alors, d'un autre côté, bon, j'avais 18 ans, donc je ne sais pas ce qu'il en aurait été si j'avais pas eu mon accident. Quand t'entres dans un lieu public, moi, de toute façon, peu importe la gueule que t'as, peu importe la mienne, on te remarque de toute façon. T'es en fauteuil, t'es jeune, on te remarque. Pour peu que t'aies une bonne gueule et un peu tchatch, l'accroche est déjà toute trouvée, tu vois, c'est pas comme quand t'as 10-20 ans, tu regardes comme ça de loin, là, tu fais le lémurien, regarder comme ça, ouais, tu bois ton verre, tu fais des... Non, c'est non, là t'y vas, tu... Tu sais, t'es quoi... En fait, t'es désinhibé. Et je pense que le fauteuil a fait ça, quoi, l'accident a fait ça, a fait que tu te prends plus la tête avec des futilités, il y a peut-être moins de timidité, il y a peut-être moins de gêne, peut-être plus d'assurance, bizarrement. Bah, pour moi, c'est mon expérience à moi. Voilà, c'est depuis mon accident, c'est la quête permanente du plaisir instantané, du bonheur, de la jouissance. Et donc voilà, moi je suis paraplégique incomplet, donc ça me permet de me mettre debout, de récupérer de la motricité, de la sensibilité jusqu'en dessous des genoux, ce qui n'est pas le cas de la plupart des paraplégiques. Peut-être que ça a rebuté quelques filles à qui je suis sorti, qui n'ont pas voulu aller plus loin parce qu'elles se sont dit « Ok, bon, super, je me suis éclaté, beau gars, beau garçon. » Jouant super et tout, quelle nuit de folie, mais putain, ça doit être chiant à vivre toute la vie avec un mec en fauteuil. Les gens, ça se trouve, il y en a eu, on me l'a jamais dit. Parce que ce serait peut-être délicat de me le dire, mais bon, je pourrais l'entendre, mais on me l'a jamais dit, il y a peut-être ça. Demain, je remarche comme avant, je bouge en fauteuil. J'ai une fille qui danse avec un mec en fauteuil, tu danses pas, tu sais, collé serré, tu peux pas. Le seul moyen de le faire, c'est de t'asseoir à califourchon sur le gars. Et sauf qu'une fille qui fait ça, c'est beaucoup plus intime que danser, même coller serré avec un mec. Sauf qu'à partir du moment où elle a fait la démarche de s'asseoir de cette manière-là, elle est foutue. Enfin, 99% du temps, elle est foutue, elle est pris au piège, mais vraiment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle fait ça, vu que le mec sur lequel elle s'assoit, il n'est pas sexué, même si peut-être plein de gens imaginent que les gens en fauteuil sont sexués, fait qu'à ce moment-là, bah voilà, elle, tac, quoi, je veux dire. Cette histoire, finalement, c'est juste l'histoire d'un mec doué pour le bonheur. Un bonheur qu'il nous donne en partage. C'est le propre de tous les gens qui rencontrent des personnes en situation de handicap. C'est de dire qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas être les gens, le cliché de base, c'est en gros, tu es handicapé, tu ne peux pas être complètement heureux, c'est pas possible. Et puis, de toute façon, si on pousse le truc loin, peut-être que finalement, jamais mes parents et mes frères s'y feront complètement au fait qu'ils ont un frère ou un fils handicapé. Parce que est-ce que vraiment on s'en remet complètement? Est-ce qu'on s'y fait? Bien sûr, après l'accident, il y a le côté dramatique, donc on a du mal à se remettre tout de suite. Moi, c'était un peu différent, parce que j'étais adolescent, j'étais jeune, je ne me rendais pas vraiment compte du bouleversement dans sa vie. Je voyais juste que moi, dans ma vie, ça ne changeait rien, et que mon rapport était toujours le même. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui on s'en est complètement remis, mais c'est quand même quelque chose qui est très particulier à chaque personne. Je pense que ma mère se remettra jamais totalement du fait que mon frère est en fauteuil, même si elle le vit très bien et depuis des années, mais il y aura toujours une petite déchirure. De toute façon, globalement, je me sens tellement lié à lui, à son accident et à son handicap. J'ai quand même du mal à concevoir mon bonheur indépendamment du sien. C'est à la fois, je pense, un drame dans sa vie, parce que notamment il y a plein de choses qu'il aurait voulu faire avec son frère et qu'il ne pourra pas faire, et en même temps c'est son frère et il l'aime, et encore une fois, comme je disais pour sa mère,
finalement, ça change rien. Enfin, tu sais, on est pris entre deux trucs complètement contradictoires. C'est qu'il est pas mort, donc il est là, et il est, en plus, il est heureux, il réussit dans sa vie, il a des femmes, il a une carrière professionnelle qui marche. Plus ça va et plus on s'inquiète même plus pour la suite. Et après le tennis, il y aura autre chose. Voilà, il a des amis, il sort, il va en vacances. Il y a peu de choses qu'il peut pas faire. Et là, en plus, il vient de prendre un appart et je pense que c'était un truc qui inquiétait aussi un peu tout le monde. Est-ce que ça sera possible? Et en fait, ça marche super bien. Et en même temps, bah, on ne peut pas nier que pour tous, je pense que ça a été... Enfin, peut-être qu'eux, ils te diront au contraire, mais que pour tous, ça a été un moment horrible dans leur vie, quoi. C'est-à-dire que du coup, maintenant, ce qui compte, c'est qu'ils soient tous là ensemble, quoi.